Tony Jazz, auteur du livre « Comment se faire un réseau à partir de zéro ». Alors comment en tant qu'étudiant on peut se créer un réseau? Je pense qu'il y a plusieurs choses que l'on peut mettre en place. Première chose, les réseaux sociaux, son LinkedIn, qu'il soit propre, qu'il soit nickel, que tu n'es pas un LinkedIn qui montre que tu es un peu en galère, genre recherche alternance, tu vois, mais que tu es déjà dans le monde du travail, même si tu cherches une alternance, il faut montrer que tu as un intérêt pour un métier. Si ton envie c'est de bosser dans le surf, eh ben dans ce cas-là, va dans des microcosmes de surf. Essaye d'aller voir tous les gens qui bossent dans ton métier et de créer des liens avec eux. Toutes les entreprises ont un événement. Eh ben, essaye d'aller naviguer autour de ces gens-là. Et c'est là que tu as tout intérêt à faire ça, parce que le jour où tu cherches un boulot, entre l'étudiant qui sort avec son diplôme et toi qui sors avec ton diplôme, mais les gens te connaissent, eh ben, tu seras favorisé sur l'autre et eh ben, tu trouveras un job plus facilement, tu auras peut-être même des contacts. Et le secret de tout arrivera avant le premier, quand une annonce sortira sur le job. Et arriver avant le premier, c'est le secret.